Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Veil, d'être ici pour pouvoir nous faire profiter, en fait, dans le prolongement des annonces qui ont eu lieu rue de Valois la semaine dernière, de l'expérience de Radio France au service d'un audiovisuel public fort. La semaine dernière, dans la salle Colbert de l'Assemblée nationale, j'ai eu le plaisir d'accueillir avec Pierre-Alain Raffan, mon collègue député, des membres des radios associatives comme Radio Campus pour un débat sur le rôle des radios associatives et leur rôle dans des missions de type service public selon leurs propos. Une radio associative, c'est une station de radio à but non lucratif, régie par la loi de 1901. Elle dépend de la catégorie A, c'est-à-dire dont l'objectif est de fournir un service de proximité. Proximité, vous avez déjà pu en parler lors de votre propos. On en compte de nombreuses. Elles comptent de nombreux bénévoles. Elles peuvent fournir un certain nombre de talents qui ensuite peuvent arriver chez Radio France. À travers ce débat, elles nous ont rappelé qu'il y avait eu en 2012 de signer une charte de bonne entente entre les radios associatives et Radio France. Donc l'idée, c'était de dire que le service public de la radiodiffusion et les radios associatives partagent des valeurs, des missions, et qu'au service de la proximité, il peut être sain de les faire collaborer. J'aimerais savoir si on a pu tirer un bilan de cette collaboration, quel bilan peut-on en tirer ? Et puis à l'heure où la proximité est un des axes forts pour la réforme de l'audiovisuel public, comment nous pourrions imaginer et quelle est votre vision de l'avenir des synergies entre ces stations et vos stations, ces radios associatives étant dans un maillage, vu qu'elles sont 577, elles sont dans un maillage plus fin, comment on pourrait en faire une partie intégrante du service public ? Et plus généralement ensuite, c'est, et vous l'avez déjà évoqué, comment pour Radio France s'ouvrir à trouver pour innover, aussi bien avec ses radios qu'avec le public ? Merci. Merci beaucoup.